Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, si la chasse a presque toujours existé, il est un lieu qui met en avant son histoire. C'est le musée de la chasse et de la nature. Dans le monde de la mode, de jeunes profils émergent comme le créateur Pierre-François Valette, notre invité. Virginie Viard, qui succède à Karl Lagerfeld, puise dans le passé de Chanel pour écrire la suite de son histoire. Ouvrez l'œil et le bon pour découvrir un savoir-faire au service des artistes avec la fonderie des Cyclopes. Mais avant de retrouver le créateur Pierre-François Valette, tout de suite Point de vue. En 1910, le plaisantin Roland d'Orgelès et ses amis Montmartrois vont apporter un peu de second degré dans l'univers de l'impressionnisme. Lors de l'exposition d'art, le Salon des Indépendants, une toile signée de l'énigmatique pseudo Buronali est présentée. Elle s'intitule « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique ». Certains érudits la comparent même à l'œuvre de Monet, « Impression, soleil, levant ». Si elle rencontre un franc succès, son origine sera vite dévoilée. Cette dernière a été peinte par un âne, de quoi questionner notre rapport au beau. La frontière entre l'art et l'artisanat s'amenuise de plus en plus dans le domaine du design. C'est dans un ouvrage regroupant des dizaines de pièces contemporaines que l'on découvre aussi bien du mobilier atypique que les portraits des créateurs et créatrices. Matériaux naturels, formes expérimentales, on retrouve ici toute l'expression de la singularité des designers pour le plaisir des plus avertis, mais aussi des amateurs. On questionne les techniques utilisées, les propos même des œuvres et surtout on apprécie la beauté des créations. On vous l'a dit, le design brouille les frontières et ne se limite plus au cercle très fermé des collectionneurs. Si vous pensez qu'il était réservé aux chambres et aux salons, détrompez-vous. Arik Lévy pousse la porte des ateliers et donne naissance à la très simplement appelée « toolbox », comprenez « boîte à outils » en français. D'une légèreté déconcertante, elle est composée de plastique ABS résistant moulé par injection. Angles adoucis et coloris assumés, le designer allie praticité et visuel pour les bricolos de tout âge. À travers des objets, des trophées et des reconstitutions, le musée de la chasse et de la nature revient sur l'histoire d'une pratique séculaire. Le musée de la chasse et de la nature est un musée extrêmement singulier qui se révèle une fois que l'on entre dedans, et je pense que beaucoup de gens sont assez désarçonnés par l'atmosphère qui y règne, puisque on n'a pas le sentiment d'être dans un musée, mais bel et bien invité chez un particulier, chez un chasseur esthète, qui vous inviterait finalement à déambuler à l'intérieur de sa demeure et à découvrir ses collections. C'est en 1967, sous l'impulsion d'André Malraux, que le couple de chasseurs et naturalistes François et Jacqueline Sommer ouvrent au public un musée hétéroclite au cœur du Marais. Un musée maison où se mêlent art classique, art contemporain, au milieu d'animaux au regard saisissant. La volonté de François et Jacqueline Sommer était bien sûr de montrer leur collection, leur passion pour l'art, leur passion pour la chasse aussi, leur passion pour la nature plus largement. Donc on voit les animaux emblématiques du musée, le sanglier pendant évidemment de la préhistoire à l'Antiquité est un animal féroce qui fait très peur. Puis le cerf représente bien sûr l'animal royal par excellence et c'est l'animal du Moyen-Âge et de la Renaissance, avec son contrepoint maléfique, le loup. Ensuite, on a les auxiliaires de la chasse, on a les chevaux, on a les chiens. Et puis, on a aussi ce rapport à la chasse aux animaux exotiques qui se met en place à partir du 19e siècle et qui fait partie de l'histoire, bien entendu, de la chasse. Une chasse dite au gros gibier qui est mise à l'honneur dans l'impressionnante salle des trophées avec l'art particulier de la taxidermie qui a bien évolué depuis le 19e siècle. À l'époque, on naturalisait les animaux très volontairement dans des attitudes féroce, belliqueuse, parce qu'effectivement, plus l'animal paraissait dangereux et agressif, et plus le mérite du chasseur était grand. Aujourd'hui, la taxidermie n'est plus du tout dans cette idée-là de donner des attitudes non naturalistes aux animaux, bien entendu. Trophées, sculptures, tapisseries ou encore collections de nature morte, l'univers vaste de la chasse et de la nature se déploie de salle en salle. Sans oublier celles consacrées aux armes, œuvres d'art à part entière qui remontent pour certaines à la Renaissance.
ces armes de chasse, qui sont des armes d'apparat, comportent effectivement un décor précieux avec des incrustations. Donc des incrustations de cuivre et de nacre, comme sur cette arquebuse allemande là, qui est une arquebuse à rouet extérieur, qui est incrustée donc de multiples petits animaux en nacre. On reconnaît même une cigogne, on reconnaît dans la végétation un champignon. Tous ces décors évoquent de toute façon le plaisir du chasseur d'être dans la nature. Donc on y voit toujours un décor assez foisonnant de rinceaux qui évoque la luxuriance justement des bois, de la végétation dans lesquels il faut débusquer l'animal. Subtile balance entre chasse et nature, le deuxième étage interroge à son tour le rôle de l'homme parmi les autres vivants, notamment à travers un hommage à Aldo Leopold, forestier américain du début du XXe siècle, considéré comme l'un des tout premiers écologistes. Ce forestier américain, prônait déjà les valeurs qui seront celles de François Sommer par la suite, donc le fondateur du musée, à savoir celle d'une écologie raisonnée, d'une écologie responsable, d'un comportement qui vraiment était celui d'une collaboration avec la nature, avec ce principe qu'il faut l'aider, qu'il faut l'accompagner. Donc derrière moi, une œuvre de Brandon Ballanger, qui est un artiste américain qui a rebondi justement sur les écrits d'Aldo Leopold et s'est particulièrement intéressé à l'une des premières extinctions de masse, à savoir celle du pigeon américain au début du XXe siècle. Et ici, Brandon Ballanger rebondit avec une œuvre qui est extrêmement poétique, attentionnée, puisqu'il va découper une gravure d'Audubon, deux oiseaux qui se bécotaient. Il les découpe dans cette gravure, il les fait brûler et il met les cendres dans cette petite urne qui est ici placée sur la cheminée comme une sorte de cénotaphe, de monument commémoratif au pigeon américain, donc rappelant bien entendu cette disparition qui est sans doute due en partie à un virus et en partie à une surchasse. Donc c'est une œuvre qui nous alerte, hein. C'est une œuvre qui normalement nous concerne et c'est un peu ça le parti pris du musée de la chasse. Toujours par le prisme de l'œuvre d'art, de son exposition, des rapports qu'il y a aussi avec les autres œuvres de la salle, nous alerter, mettre le doigt sur des choses qui devraient, même si ce n'est pas lors de la visite, peut-être nous faire réfléchir par la suite. Homme bienfaiteur ou destructeur de la nature, les pistes de réflexion sont ouvertes à chacun de se sentir libre de les méditer. Pierre-François Valette, créateur de Valette Studio, nous reçoit aujourd'hui pour parler matières et inspirations, un portrait 100% mode. J'habille un homme et une femme, j'habille une personne surtout, j'habille une attitude, j'habille un état d'esprit, plus qu'un homme, j'habille une personne qui travaille, qui vit, une personne plus citadine, c'est sûr, sophistiquée. Amoureux du tailleur, des lignes fluides et oversize, le vestiaire androgyne de Pierre-François Valette dépasse les codes du genre. Le lauréat du concours Yves Saint Laurent 2019 lance un an plus tard Studio Valette, une marque à l'esprit couture et à l'identité affirmée. J'aime les lignes très, très sharp, très claires, très organisées. En même temps, on arrive à des looks parfois un peu farfelus par les imprimés, le look dans sa globalité. Je ne fais pas des full look tailleur, par exemple, j'aime mixer les pièces. C'est aussi ce que je suis quelqu'un de très organisé, extrêmement maniaque. Mais en même temps, j'ai un côté très fantasque et farfelu. Une personnalité fantasque et avant tout débordante d'idées que Pierre-François puise dans le domaine des arts. Je fais beaucoup de recherches d'images, c'est-à-dire que j'ai une idée, un thème, alors qui se file de collection en collection, les années 80, toujours un état d'esprit, un courant artistique, là l'art optique, là le constructivisme, là Egon. Donc là c'est tout ce qui est l'inspiration subculture mais qui vient aussi se greffer avec des personnalités et puis des images iconiques. Tous ces fruits d'Andy Warhol, nous on s'en est inspiré, on a trouvé d'autres fruits, d'autres inspirations, c'est-à-dire qu'on a mis Warhol en connexion avec Capri, en connexion avec ce tissu qui était une robe que j'ai trouvée à Londres dans les friperies, avec des affiches d'époque. Ça, c'est des carrelages dans le métro, etc. Et tout ça arrive à une recherche globale. Imprimé, camouflage, fleuri ou encore inspiré de tapis berbères, Pierre-François compose à l'envi des silhouettes élégantes. Toujours à partir de celles de son associé William, qui, au fil de nombreux essayages, voit les modèles s'affiner sur son corps élancé.
C'est pas mal, non, avec le serre-truc, là. Bah, c'est pas la même couleur, mais personne ne va le voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attention portée aux détails sur les essayages. Pierre-François me passait beaucoup de temps sur les essayages. Donc c'est des moments toujours plaisants, on aime chercher, trouver de nouveaux détails. Et c'est l'événement auquel on se sent très bien, on est libre de bouger, de mouvement. C'est très, très confortable et tout en gardant ce côté bien fait. Bon, ça va, du coup, tu t'en sors? I think it's good. No? You don't like here? Entouré de son équipe de stagiaires et de couturières hors pair, Pierre-François crée des collections exigeantes et durables, tant sur le choix des matières que sur les finitions intérieures, comme le thermocollant. Pour cet indispensable des modèles tailleurs, cher aux jeunes créateurs, il se fournit auprès d'Elisabeth de la maison French Touch, une référence en la matière dans le milieu de la haute couture. C'est pour ton col de chemise ou qu'est-ce qu'on... Bon, et tu m'as dit que tu la voulais souple. Et c'est quoi la référence du 2056 éco-responsable? C'est du polyamide bi-stretch, mais on a la petite sœur en version biosourcée, donc à base d'huile de ricin. Et tu te souviens, l'avantage de ces matières éco-responsables, c'est qu'on a aussi remplacé l'école. Ce qui est très important pour moi, c'est de travailler autour du tailleur, ou en tout cas des basiques tailleurs qu'on emmène vers autre chose, de plus moderne. En tous les cas, dans ce domaine tailleur, et globalement dans la mode, mais vraiment dans ce domaine, c'est très important tout ce qui est entoilage, c'est-à-dire l'intérieur des vêtements, pour transformer la matière, la faire tenir, la rigidifier, la rendre plus souple. Voilà. Et éviter que le vêtement se détériore trop vite et qu'il ne tombe pas comme on souhaite pas, etc. Voilà. Et qui durabilité, c'est pas seulement durable dans le temps, avec les entretiens, etc., mais aussi durable dans le sens de éco-responsable, et parce que nous avons une très grande gamme aujourd'hui de produits recyclés et biosourcés. Et les jeunes créateurs comme Pierre-François, je suis très ravie, vraiment très contente de travailler avec eux là-dessus. Notamment Pierre-François est très intéressé depuis plusieurs saisons déjà par ces produits, et effectivement, c'est un plus de travailler avec ces matières-là. Infatigable travailleur, avide d'apprentissage et de création, Pierre-François Valette suit les pas des plus grands vers une mode durable et ancrée dans son temps. Bonjour Pierre-François. Bonjour. Pierre-François, vous avez fait des études de droit et déjà à la première année, vous saviez très bien que vous allez faire quelque chose dans la création. Qu'est-ce qui vous a décidé pour la mode? J'ai beaucoup pensé, juste après le bac, de faire l'école Boulle, par exemple, ou de faire de l'architecture d'intérieur. J'avais un très bon ami dont le père était architecte. Et finalement, je crois que j'ai une grande passion pour le corps humain aussi. Habiller le corps humain, c'est quelque chose de très complexe, qui est très différent de l'architecture d'intérieur. C'est aussi quelque chose d'artistique, on peut exprimer une émotion, une idée, un univers dans ces deux domaines. Mais je crois que finalement, le vêtement était quelque chose de très important pour moi. Déjà depuis tout petit, je me fabriquais des petites mitaines, période Jackson, tout le monde l'a eu, etc. C'était vraiment quelque chose auquel j'étais très, très sensibilisé, ma mère aussi. Elle vous a prêté sa machine à coudre, c'est exactement, ça? Exactement, elle me l'a donnée. Elle vous a toujours soutenue? Elle me l'a donnée. Et comme elle dit, j'ai deux filles et un fils et j'ai donné ma machine à coudre à mon fils. Et je l'ai toujours, elle est là. Et c'est quelque chose qui garde très précieusement. Oui, elle m'a toujours soutenue. Vous avez été soutenue notamment par Isabelle Maran, oui, qui vous a donné beaucoup confiance en vous, parce que c'est très important quand on débute que quelqu'un vous dise « vas-y, c'est bien ce que tu fais ». Alors moi, je suis arrivé à Paris, j'ai fait la chambre syndicale de la couture parisienne qui maintenant fusionne avec l'IFM. Et en deuxième année, j'ai trouvé un stage chez Isabelle Maran. Et vraiment, Isabelle Maran m'a vraiment beaucoup appris sur les techniques de création. Une personnalité incroyable, fantasque, extrêmement travailleuse, dans laquelle je me suis assez reconnu. Et c'est vrai qu'après, j'avais plus du tout envie de retourner à l'école. J'y suis quand même retourné 2 ans et ensuite, je suis arrivé chez Saint Laurent où j'ai appris d'autres choses, où j'ai rencontré d'autres gens qui m'accompagnent encore maintenant. Alors justement, en 2019, vous avez gagné le prix de la Fondation Saint-Laurent et c'est par la suite que vous avez décidé de vous lancer. Les studios Saint-Laurent m'ont conseillé de le faire. Au départ, l'idée, c'était de faire une collection. Ce n'était pas de lancer un empire de mode, ça n'a jamais été... Moi, je dis toujours, j'ai la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Et puis différentes personnes qui m'ont dit « Oh, bon, on t'accompagne ». Voilà, c'était une énergie d'un groupe. Mm-hmm. Voilà, c'est aussi pour ça que je ne voulais pas appeler ma marque Pierre-François Valette. On l'a appelé Valette Studio parce qu'il y a...
plein de gens comme William, etc., ouais, qui travaillent avec moi. Aussi. C'est une équipe, c'est très familial. C'est, voilà. Quelle était la première pièce dont vous étiez vraiment fier? Vous vous êtes dit, voilà, ça c'est quelque chose que je veux garder, que je veux reproduire? Eh ben, la combinaison, c'était là, pour le prix Saint-Laurent. Ouais, elle est ici, alors on l'a reproduite parce que l'original est chez Saint-Laurent, ils l'ont gardée. Mais elle est ici, ouais, c'était une combinaison inspirée de... des artistes constructivistes l'art soviétique, qui était très géométrique, avec des lignes très droites. Pierre-François, on remarque chez vous une vraie fluidité entre les lignes, hommes et femmes peuvent les porter, pareil, mais on va également du streetwear à quelque chose qui s'apparente vraiment à la couture. C'est quelque chose que vous recherchez? Ben, c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler déjà à l'école. Mmh. Mon idée, c'était de redonner vie un peu à ces vêtements tailleurs qui font un peu peur, la chemise qui étrangle, le pantalon à pinces, on n'ose pas bouger dedans, mais ça que le dimanche ou pour les grandes occasions. Mmh. En fait, non, avec un choix de matière, maintenant, on fait des très belles matières avec des laines très sportives, avec de l'élastane, etc., avec des volumes très larges. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et après, c'est vrai, homme-femme, moi, tous les vêtements sont faits sur un homme, mais avec un corps assez particulier, ce qui fait que... un 40 sur lui va sur une femme de 50 ans aussi. C'était pas mon idée de faire homme ou femme. Je pense que le vêtement, maintenant, ça tourne assez... l'idée, les gens veulent plus avoir un look, les gens veulent être confortables, les gens veulent plaire. Et se plaire aussi, il y a ça dans le vêtement. Donc, je me fixe pas trop de limites sur tout ça. C'est-à-dire que dans la mode, on fait, on défait, on refait toujours mieux. Et ce qui importe, en fin de compte, c'est la création. C'est de continuer à créer tout le temps, c'est ça? C'est vrai que la création, c'est quelque chose qui s'arrête jamais, c'est quelque chose qui arrive à tout moment, dans la rue, qui change selon les jours aussi, selon les humeurs. Je crois que c'est vraiment une grande place de liberté surtout. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est à travers les yeux de la directrice artistique Virginie Viard que Chanel voit son histoire vibrer au rythme de la réinterprétation des classiques. Qu'est-ce qui assure la pérennité d'une marque? En ce qui concerne Chanel, ce sont des codes reconnaissables entre mille, le même vêtement sans cesse décliné, une recette tellement bien huilée qu'elle n'a plus besoin de surprendre et peut s'auto-référencer à l'infini. On connaît par cœur la silhouette de Gabrielle Chanel, tailleur en tweed, petite robe noire, sautoir et camélia. On connaît surtout ce que Karl Lagerfeld en a fait. Une machine redoutable exportée dans le monde entier, le chic à la française, mais aussi son impertinence, ses défilés mémorables et un sac à main matelassé copié par toutes les marques. Décédé en 2019, le styliste laisse derrière lui un héritage massif, repris par son bras droit Virginie Viard. Que faire alors d'une maison qu'on associe à une image si forte et presque impossible à s'approprier ? Pour le printemps-été 2022, la créatrice française a choisi de faire référence à l'une des plus grandes ères de Chanel, celle des années 90. On présentait alors les collections sur des podiums interminables et surélevés, bordés de photographes qui saisissaient les mouvements dynamiques des mannequins. À l'époque, l'industrie du luxe plonge dans la mondialisation. Karl Lagerfeld présente des silhouettes bling-bling inspirées du hip-hop américain, des tenues de plage opulentes et des pièces athlétiques siglées Chanel qui prédisent avant l'heure la folie des logos. En retravaillant ces éléments dans sa collection, Virginie Viard rend hommage à son maître, mais rappelle aussi et surtout que tout ce qui obsède la mode aujourd'hui, Chanel l'a fait avant tout le monde. La marque a quasiment inventé les campagnes de pub telles qu'on les connaît et l'idée des mannequins ambassadrices. La nouvelle garde est d'ailleurs fidèle à l'histoire et joue le jeu de la mise en scène comme à l'époque de Lagerfeld. Des photos prises en noir et blanc dans le studio mythique du styliste. Elle lui rend aussi hommage en faisant perdurer ses fameux pas de côté stylistiques. La bouteille de Chanel numéro 5 devient un sac à main. Le très chic camélia se pose sur une jupe transparente et le tailleur se décline en trompe-l'œil. En invoquant le passé de la marque, Virginie Viard rappelle ainsi à quel point elle a su traverser le temps.
Les codes Chanel sont toujours là, mais savent mimer l'époque, jouer sur ses tendances et sur ses obsessions. Comme une façon de dire qu'après plus de 60 ans d'existence, la maison ne se soucie plus d'être à l'avant-garde. Qu'elle a, à elle seule, transformé l'industrie de la mode et que sa propre histoire est assez riche pour ne plus jamais devoir à se soucier d'en écrire de nouveaux chapitres. Métal en fusion, gestes précis et savoir-faire artistique. Bienvenue dans la fonderie des Cyclopes, pour qui la matière n'a plus de secret. On sait interpréter le travail d'un autre, mais on ne saurait pas créer nos propres œuvres. On se met au service de nos clients, de nos artistes. Ils nous confient leur création artistique, ce qui est quand même leur intimité la plus profonde, et à nous d'interpréter et de le sortir le plus beau possible. Donc c'est une grosse responsabilité pour nous. Il est un atelier classé entreprise du patrimoine vivant qui met son savoir-faire au service d'artistes sculpteurs depuis 1997. Cet atelier, c'est la fonderie d'art des Cyclopes. Fondée par Frédéric Michel et son ami d'enfance, d'abord en Lorraine puis à Bordeaux, la fonderie des Cyclopes manie le laiton, l'aluminium et surtout le bronze. Dans une fonderie, plusieurs savoir-faire cohabitent car plusieurs étapes bien distinctes sont nécessaires pour créer une œuvre en bronze. Souvent en terre ou en bois, c'est l'original déposé par l'artiste qui est le point de départ de toute une succession de gestes. D'abord, on va faire un moule en élastomère silicone autour de l'original. L'élastomère silicone, c'est un matériau souple, élastique. Donc on applique cette pâte à la surface du modèle, cette pâte réticule. On va pouvoir démouler n'importe quelle forme de pièce, quelle que soit sa complexité. Une fois que le moule en élastomère est terminé, alors on le rigidifie autour avec des chapes en plâtre ou en résine pour que le côté élastique du matériau élastomère ne fasse pas que le moule se déforme quand on le manipule. On le remplit de cire et on fait une couche de 4 à 5 mm de cire. Un peu comme le pâtissier va faire ses œufs pour Pâques en chocolat. Après un temps de séchage, les différentes parties de la pièce en cire sont assemblées et retouchées afin qu'aucune impureté ou défaut ne vienne gêner les étapes suivantes. On enrobe ce modèle en cire dans du plâtre réfractaire, donc qui tient à haute température, et on le met dans une étuve. Cette étuve va monter à 800 degrés et toute la cire va brûler. Quand toute la cire est partie, on a donc le modèle en cire qui a disparu et la forme, il a laissé l'empreinte à l'intérieur du plâtre. Et c'est alors que vient la partie la plus impressionnante, la coulée. Avant de couler, on se pose un peu, un quart d'heure, on se détend, on se concentre, on se prépare à ce moment-là, qui est très rapide. Et aussi, il faut savoir que quand on coule le métal, il faut remplir le moule d'un jet. Si d'aventure, on n'avait pas assez de métal dans le récipient qui s'appelle une poche, qui permet de transférer le métal du four jusque dans le moule, eh bien la pièce serait partielle. Donc on coulerait le métal, on remplirait à moitié l'œuvre, le temps d'aller rechercher du métal et re-remplir, le métal se serait déjà solidifié dans le moule et la pièce serait coupée en deux, voire ne sortirait pas du tout. Donc il y a des enjeux de sécurité, des enjeux aussi de qualité, de réussite de notre travail. Tout se joue à ce moment-là, c'est vraiment le coup de dé à ce moment-là. C'est-à-dire que si on rate cette étape-là, tout le travail en amont, je sais pas, un bison comme ça, c'est peut-être 3-4 mois de travail en amont, on ne peut pas se permettre de rater une œuvre comme ça, c'est tellement de travail. Des enjeux encore plus importants lorsqu'il s'agit d'une pièce monumentale qui est travaillée comme un puzzle. Les petites pièces, on les coule d'un jet. Quand ce sont des pièces énormes, il faut savoir qu'une sculpture en bronze, c'est toujours creux. Un litre de bronze, c'est à peu près 10 kilos. On imagine bien que si un cheval de 5 mètres de haut était plein, il pèserait 200 tonnes. Ça serait un non-sens économique, technique, et on ne pourrait pas le manipuler. Donc on fait des pièces creuses. Comme il s'agit de pièces creuses, dès qu'on a une pièce un peu importante, finalement, on va couler des plaques et on va ressouder les plaques les unes aux autres, bord à bord, et construire l'œuvre petit morceau par petit morceau. 24 heures après la coulée, le moule en plâtre sera cassé et la pièce sablée pour pouvoir passer entre les mains du ciseleur qui va utiliser toute une myriade d'outils pour appliquer ses finitions. Et enfin, l'ultime étape qui vient sublimer des semaines et des mois de travail, la patine.
on chauffe la pièce avec un chalumeau et on applique des produits chimiques, c'est ce qu'on appelle la patine. Le bronze, lui, en fonction des produits qu'on va utiliser, va développer telle ou telle couleur, et du vert, et du noir, et du rouge, et du jaune. Je fais quasiment systématiquement les patines avec l'artiste, parce que la patine, ce n'est pas simplement une mise en couleur, c'est mettre des réaux sur certaines parties, c'est créer un univers de couleurs et d'émotions, donc il est là, il est présent, il me vient un peu plus, un peu moins. De multiples savoir-faire au service de l'art, où chaque artisan apporte sa pierre à l'édifice et où de concert, ils s'accordent à donner vie à l'imaginaire des artistes qui leur font confiance. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!